Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur cette vidéo dédiée à Marvel Tournée des Champions. On se retrouve les amis dans cette vidéo pour un nouvel opening, mais cette fois-ci un opening de cristaux héroïques 5 étoiles. Pourquoi? Bah c'est l'opening du mois, hein, c'est l'opening mensuel. Chaque mois, à l'arrivée des nouveaux champions 5 étoiles, bah, je tente ma chance parce que dans le roster classique, dans le pool, pardon, classique de cristaux à 10 000 éclats, eh bien, il y a à chaque fois, chaque mois, 6 nouveaux héros qui rejoignent ce pool basique. Et là, comme vous le voyez sur l'affichage, il y a Yondu, il y a Carnage, Punisher 2099, mais surtout Speedy, amélioration de Stark. Et si vous avez vu mes dernières vidéos où j'ai fait un rank down, enfin une réduction de rang d'un champion au profit d'un autre, vous avez bien vu que j'ai monté mon Speedy Stark, mon Starsky, comme certains disent, 4 étoiles rang 5, avec une compétence spéciale proche des 99, il fait vraiment des merveilles en synergie avec Blade. Ça fait partie des champions que j'aimerais récupérer en 5 étoiles. Après, il ne faut pas rêver, hein, dans le pool basique, plus ça va, plus ce pool grossit, moins vous avez de probabilité de tomber sur un champion en particulier, hein, c'est une question de chance. Donc plus il y a de champions, moins vous avez de chances de récupérer un particulièrement. Bah écoutez, on sait jamais, peut-être que l'espoir fait vivre, et il y a quand même derrière le vautour, que je trouve moyen, et également le bouffon vert qui est un très bon champion. Mais là, je vous cache pas que sur ce tirage des champions, des nouveaux champions du mois de janvier, il y en a vraiment un qui sort du lot, c'est Speedy Stark. Allez, on va y aller pour cette ouverture. Je ne fais pas durer plus longtemps le suspense. Je n'ouvre qu'un cristal, évidemment. Donc on va le voir passer, voilà, on le voit, le beau Speedy, qu'est-ce qu'il est beau. Bon, Yondu est pas mal aussi. Carnage, Punisher 2099 peut être vraiment intéressant également. Le vautour, je suis vraiment pas fan, le bouffon vert, ouais. Et il y a évidemment les anciens, ceux qui sont déjà sortis. Les Iceberg, les Archangels, les Hyperion, les Vaudou, les Ghost Rider, tous ceux qui sont arrivés en fin d'année 2017 sont également présents maintenant dans ces tirages. Donc il y a également cette chance de récupérer ces champions. Allez, trêve de blabla, je vais ouvrir ce cristal. Tout ce que je souhaite, vu mon roster actuel de 5 étoiles, c'est de ne pas éveiller un de mes 5 étoiles actuels parce que je les trouve pas franchement exceptionnels. J'aimerais en récupérer un, quoi qu'il arrive, un que je n'ai pas déjà, comme ça je le montrerai au moins rang 2, et si c'est un champion excellent, peut-être plus. Voilà. Allez, on est parti les amis, sur ce tirage. Je vois défiler du récent, du nouveau, comme de l'ancien, au niveau du défilement des champions. Ah oui, il y a Gwenpool également, évidemment, évidemment. Allez, j'arrête le tournoiement du cristal pour ce tirage de janvier 2018, l'épisode 8 les amis, et ce sera... Ouais, ce sera Gambit. Ok, Gambit qui n'est pas un mauvais champion, mais Gambit qui n'ira pas plus haut que le rang 2. Bon, bah voilà, ça me fait un nouveau champion. En tout cas, la chose intéressante, la bonne chose à retenir, c'est que c'est un champion 5 étoiles que je vais monter au rang 2, qui me fera marquer plus de points, enfin qui va augmenter mon pool de champions 5 étoiles pour les arènes. Mais maintenant, je vous cache pas qu'il ne dépassera jamais le rang 2. Il y a vraiment bien mieux à mettre en mutant au-delà du rang 2. J'ai déjà récupéré Psylocke, que je considère meilleur que Gambit en termes de contrôle de pouvoir notamment et de dégâts. Donc bon bah c'est un petit tirage. On attendra le mois de février les amis. Écoutez, n'hésitez pas à me dire si vous avez tenté votre chance sur les nouveaux arrivages de champions 5 étoiles en ce mois de janvier 2018. Est-ce que vous avez réussi à récupérer un Speedy Stark, un Yondu ou un autre, que sais-je. N'hésitez pas à commenter cette vidéo comme d'habitude, à mettre le petit pouce qui va bien, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, vous cochez la petite cloche une deuxième fois, je vous le rappelle, comme ça vous saurez tout le temps quand je suis connecté ou quand je publie des vidéos. C'était Juge Fred sur Marvel Tournée des Champions pour cet épisode 8 d'ouverture des cristaux de héros 5 étoiles, ceux à 10 000 éclats, pour ce mois de janvier 2018. Portez-vous bien, faites attention à vous, et encore une fois, une excellente année. Peace !